Allez, salut à tous, c'est Nixos, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 14 sur Feed the Beast. Et aujourd'hui, j'ai fait le plein de blocs pour la déco. Je me suis d'ailleurs fait un comment ça s'appelle? Merde, un barrel avec de la stone brick parce qu'on va avoir besoin pour nos constructions. Donc je me suis dit autant faire ça. Donc j'ai vidé enfin un peu. De toute façon, avec la quantité de cobble que j'ai, je pense que ça va aller. J'étais reminé du quartz, je me suis fait un pantalon plutôt pas mal. Enfin, blast protection, ouais, moyen. Bon, ça va, il y a tente 2 avec lui, bon, ça passe. Et puis donc, on va essayer de construire un peu. J'ai pas mal construit en off, vous allez voir ça. Donc, j'ai fini la salle, on va dire ça comme ça, oui, la salle des arbres, avec le toit. On peut voir sur la minimap en haut. C'est beaucoup plus. Ouais, ça va, j'aime bien, c'est stylé. Ça me demandait pas mal de stone brick encore. Et donc, ici, j'ai pas mal aménagé. J'ai commencé à faire un petit peu de. Une descente plus appropriée, puisque comme je vous avais dit, hein, c'était un peu chiant. L'essence, ça augmente pas mal. On a le tube principal qui est presque en haut, puis les deux qui augmentent un peu. Il me semble que l'ance. Ouais, non, vous l'avez pas vu, donc j'ai rajouté une deuxième raffinerie. Bah voilà, j'ai rajouté une deuxième raffinerie. Donc j'ai pris exactement le même modèle, hein, vous pouvez voir, c'est exactement pareil. Juste le levier qui est pas mis au même endroit, parce que du coup, avec ce levier-là, j'active les deux engines, alors que là, il y a un levier pour celui-là, un levier pour celui-là, un levier pour celui-là, c'est un peu chiant. Alors que là, il y a un levier pour deux et puis un autre levier pour celui-ci. Et donc voilà, le pétrole arrive en masse et puis on a donc l'essence qui part. Et donc on a l'essence qui va là. Je trouve que la production n'est pas ouf ouf. Alors peut-être qu'il va falloir plus après de raffinerie. Ou alors peut-être qu'il va falloir, parce qu'en fait, non, il y a des améliorations, je pense, à mettre. Quand on clique dessus, il y a des trucs. Je sais pas trop ce que ça représente. Donc si quelqu'un veut m'expliquer, hein, pourquoi pas, je suis preneur. Donc voilà. Donc ici ça descend pas mal. Bim, d'un côté ça monte ici, donc au final ça se rééquilibre. Les tuyaux sont pleins, il n'y a que celui-ci qui marche à fond. On va activer celui du côté, histoire de temporiser. Non, pas celui-ci en plus. Celui-ci. Parce que du coup ce moteur-là, vu qu'il marche lentement, vu qu'il n'est pas encore chaud. Ça activera moins vite, donc voilà. Ici, bon bah voilà, rien de neuf. Les fils avec les tubes, etc. Donc ici, on a le tube qui se divise en deux pour le pétrole, et puis ici, un tube qui va dans le même tube de pétrole. Alors, j'ai pas mis de pipe spécial parce que je me suis dit qu'en fait, là, l'intersection, l'essence pourrait aller à droite, mais arriver de toute façon à la raffinerie, elle pourra pas rentrer, donc elle va ressortir, ou même si elle rentre, elle ressortira instantanément. Donc au final, voilà. Ça changera pas grand chose, et puis bon, voilà, ça change pas, hein. Ça va dans mes stocks. Ici, un nouveau LMFSU. Donc là, en fait, celui-ci donne à celui-là, celui-là donne à celui-là, celui-là donne à celui-là. Donc, du coup, tout va ici. Et donc, on va faire aujourd'hui un peu de décoration. Parce que je me suis dit qu'on n'en a pas fait encore. C'est vrai que j'ai tout fait en off. Ah oui, la quarry, bah, on fera un peu de déco et après, on trouvera un nouveau lieu pour la quarry. J'ai fait une deuxième quarry, on va faire deux quarries. Et on va essayer de trouver où mettre tout ça. Donc voilà, donc j'ai pris pas mal de blocs sur moi, bah, tout ce qu'il me faut pour ma déco. Et on va essayer de construire, on va le faire par ici, les bases de notre future salle des machines. Puisque toutes mes machines vont être déplacées. Et donc une salle d'énergie. Donc déjà là, bah, l'énergie, on est d'accord que ça va être en dessous. Donc en dessous là, il va y avoir ma centrale atomique. On va dire ça comme ça. Donc en tout cas pour les panneaux solaires. Après, si je voulais faire du nucléaire, je ne suis pas encore dedans, mais bon, pourquoi pas. C'est vrai que bon, ça et ça, dans l'absolu, c'est facile. Ça, bah, dans l'absolu, c'est facile à faire. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas que ça à faire. Après, il faut faire des blocs autour pour protéger, pour pas que ça explose. Il faut refroidir, il faut des selles spéciales, il faut des platinium, non, des voilà, des unrichium, uranium cell, enfin bref, faut ces trucs là, enfin bref, faut pas mal de trucs et faut pas mal d'uranium. Et l'uranium, pour l'instant, j'en ai pas des masses et des masses, j'en ai que une trentaine, il me semble, ouais, non, 51, voilà, j'en ai pas beaucoup, beaucoup. Donc bon, voilà, on va pas non plus se lancer dans le nucléaire aujourd'hui. Ah oui, ici, il y a toujours ça. D'ailleurs, j'avais fait un. C'est une jukebox avec un coffre avec mes CD. Hop. Donc voilà, donc aujourd'hui, salle des machines, on va faire ça ici, je pense, à côté de la raffinerie. Et puis, dans l'absolu, par là, il y aura ma salle des coffres.
Ouais, la salle des coffres. Parce que de toute façon, il va falloir que je fasse des quarries. J'aimerais bien. J'aimerais bien la faire en dessous du lac. Genre en faire une géante là. Mais vraiment géante, hein. Quand je vous dis géante, c'est de là à là à là à là. Ou peut-être un peu plus loin par là-bas. Faut pas que ça touche mes installations de ma ville. De ma ville. De ma base, mais d'un côté il me faut de l'énergie, donc après au pire je peux installer des panneaux solaires exprès pour la quarry, ça y a pas de problème, ça me dérange pas, puisque je pense que c'est plus facile d'installer des panneaux solaires là-bas à la quarry plutôt que de plutôt que de pardon que de transférer toute l'énergie là-bas, donc voilà. Alors, on va faire un peu de déco pendant que je blablate. J'espère que, en tout cas, Feed the Beast vous plaît. Ça a l'air, en tout cas. Et voilà, premier fail. Ça commence. Eh oui, tiens, je voulais faire part d'un truc. J'ai trouvé un. Enfin, c'est pas un bug, mais c'est un peu bizarre. Où là, vous entendez quand on marche sur le bois. Ça fait le bruit du bois. Quand on saute. Voilà, ça fait le bruit du bois, on est d'accord. Là, ça fait de l'herbe. Là, ça fait de l'herbe. Là aussi, on est d'accord. Mais si je saute sur une torche. Attendez. Je sais pas si vous entendez, mais en fait ça fait le bruit comme si on marchait sur du bois. Voilà, c'est inutile. Merci Nixus pour cette remarque complètement inutile. D'accord. On va s'arrêter là. Ici j'ai peut-être mis des escaliers en plus, je sais pas. Je sais pas trop ce que j'ai fait en fait en off, en déco. Ce que je sais c'est que j'ai fini ça. Enfin bref, on va arrêter de tergiverser jusqu'à la cinglingue. Expression totalement bizarre. Voilà. Donc ici. Ah et par contre j'ai mis une limitation de 2 ou de 1, c'est la question. Ici j'ai fait une limitation de. Décidément ici j'ai pas fait de. Bah écoutez, on va faire 2. Pour pas utiliser trop de quartz. C'est vrai que j'ai été miner du quartz. Bon avec fortune, c'est vrai que ça va vite, hein. D'ailleurs, j'ai un casse-up sur ma je bats fortune. D'ailleurs, avec fortune, ça va vite, mais. Et c'est vrai que c'est plutôt chiant à récolter. Hein, on peut pas nier. Panier Dioplay. Non, d'ailleurs. Ici, un peu trop craquage. Voilà. Ensuite, j'avais une grande nouvelle. Enfin, une grande mauvaise nouvelle, on va dire. Et du coup, il n'y aura que ceux qui regardent FTB qui seront au courant. Bon, je vais sûrement faire une vidéo spéciale hein, pour l'expliquer à tout le monde. Mais en fait, j'ai eu un gros problème. Ah, c'est du 2x2 là. Ah, bah oui, c'est le couloir, il est plus petit. Ouais. J'ai eu un gros problème avec Atlantis. Ma save est corrompue, impossible d'y jouer, j'ai pas de sauvegarde. Donc pour ceux qui regardaient Atlantis, bah je suis une mauvaise nouvelle, c'est que vous n'allez sûrement jamais revoir cette série. J'ai complètement la flemme de reprendre la map à zéro, de tout refaire. Hein. Vraiment, j'ai la flemme. Donc du coup, bah c'est dommage parce que j'aimais vraiment bien cette map, mais là, je peux pas faire autrement quoi. Map corrompue, ça casse un peu le truc. Du coup bah c'est complètement chiant. Donc bah donc voilà quoi, je suis un peu déçu et désolé aussi. Ici ce que je pourrais faire vu que c'est petit, je pourrais faire une espèce de petit une baie vitrée avec une décoration, on verra ça plus tard. À la limite je pourrais faire ça hein. Je vais juste casser ça. Et donc voilà, Atlantis, bah c'est fini. Donc je suis en train de chercher une map. Donc si vous avez des idées de map, envoyez-moi ça par commentaire ou par MP ou par ce que vous voulez. Comment des maps un peu, j'ai bien envie, j'avais envie de tester. J'ai jamais fait de map Vex, donc des super hostiles. Et c'est vrai que ça m'intéresse pas mal. Ça a l'air vraiment stylé, violent mais stylé. Mais j'ai jamais testé, donc bon bah écoutez, si vous voulez que je teste, dites-le moi. Si vous avez d'autres idées de map, bah dites-le moi aussi. Et puis bah je verrai ce que je pourrais faire. Ici on va juste laisser. Alors, tac. Voilà, on va juste casser ça.
Parce que là-bas j'ai un coffre à aller récupérer. Donc dites-le-moi et puis bah je verrai ce que je peux faire. Ici, qu'est-ce que je pourrais faire? Ça prend beaucoup de place ça. Hein. Parce que de toute façon, à l'occasion, après, là tout ce qui est quartz, ça va partir. Et ça va se transformer en panneau solaire. Hein, je vous le cache pas. Ça va être une grosse installation de panneaux solaires. J'attends pour faire les au-dessus des medium solar arrays, c'est-à-dire les. Bah les height voltage array tout simplement. Il m'en faut 8 médiums. Pour l'instant j'en ai que 3 je crois. Donc voilà. Ah bah si je sais ce que j'ai fait tiens. Je fais de la déco, je vous ai même pas montré un truc intéressant. Ici j'ai fait une descente spéciale. Et du coup vu que j'ai fini le toit et que mon panneau solaire était ici, forcément vous doutez que le panneau solaire ne marchait plus. Donc en fait il est ici, un panneau solaire qui est ici. Hop, le tuyau va là. Et ça passe en dessous et hop, ça passe en dessous et ça va donc bah dans le MFE qui est derrière. Et donc du coup ça alimente le truc. Ça alimente le truc à arbre ici. Alors j'ai dû refaire des tiges. On va recharger ça. Hop. Ouais, du coup ça alimente ici. Et j'ai bougé juste ça de place. Parce qu'en fait ici, ici et ici. J'ai 3 trous en fait qui vont jusqu'au ciel, c'est-à-dire qu'en fait il y a le bâtiment derrière et il y a les murets qui sont ici, donc ici en fait il n'y a rien au-dessus, donc du coup je peux mettre des panneaux solaires. Bon, j'en ai mis qu'un, je pourrais plus en mettre 3, mais ça sert à rien d'en mettre autant. Donc voilà, voilà, juste pour information, hein, si je puis dire. Donc voilà, donc j'attends, je vais sûrement me faire un height voltage array un jour ou l'autre, hein, mais pour l'instant c'est pas ma priorité. Donc, voilà, donc ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on refaire un, de toute façon j'aimerais bien faire l'entrée, à peu près symétrique à ça, donc là 2, et forcément du coup ouais, le schéma là est plus petit que mes, comment ça s'appelle? Est plus petit que mes salles, mais ça c'est pas très grave, c'est un couloir, hein. C'est pas là qu'on va passer nos vies. J'espère que vous aimez bien le style, hein, de la base. De toute façon, je le changerai pas parce que j'ai la flemme de la refaire et que moi j'aime bien. Je trouve ça vraiment sympa. Quartz et stone brick, ça va vraiment bien ensemble. Et vu de la map, ça fait vraiment stylé. C'est con qu'on peut pas voir la raise map en plus grand. Ah, quoique, attendez, c'est quoi? Oula. Non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Non, je voulais voir juste afficher les paramètres de la map. Non, ça c'est les waypoints. Ouais, bref, je sais pas. Enfin, bref. Bref, ça fait joli. Voilà, tout simplement. Et je suis plutôt fier de l'architecture. J'ai testé plusieurs trucs. Et puis, bah, c'est vrai que je suis tombé sur ça. J'avais un peu de quartz qui traînait. J'ai testé et... C'est vrai que c'est sympa. Alors ici du coup... Donc là, tac, tac, tac. Voilà. Merde. Et c'est vrai que par contre je pensais à un truc, c'est vrai que j'ai aucune... comment dire? Aucune vitre. C'est vrai que quand on est dans le truc là, il n'y a pas de vitre. Si j'ai mis des vitres pour les arbres. Je pense que vous l'avez vu tout à l'heure, hein, sur le plafond. Pour faire une espèce de croix un peu stylée. Et c'est vrai que j'ai mis sinon zéro vitre dans ma base. Et donc bon, ça me gêne pas, mais c'est vrai que ça manque un peu de lumière. Et du coup je mets des torches partout, mais c'est vrai que les torches ça fait un peu bizarre. Enfin ça fait un peu moche. Regardez, vue de haut, moi j'aime bien. Ça fait une impression stylée. C'est vrai que ce bâtiment il est énorme, hein, quand même. Il est quand même relativement gros. Plutôt fier. J'ai mis du temps à le construire. Voilà. Hop, donc un épisode vraiment tranquille, hein, je vous avoue, j'avais envie de faire une pause. C'est vrai qu'on a fait pas mal de gros projets, on va dire, même si c'est pas énorme, hein, y a pire. Mais bon, on a fait enfin, le pétrole, on a fait le... comment dire, on a fait le pétrole et on a fait le... Alors là, qu'est-ce que je pourrais faire? Ça manque de quartz là. Pas trop quoi faire. On a fait le pétrole et le... Comment ça s'appelle? Merde.
le pétrole, la ferme, plusieurs machines, tout ça. Donc bon, je me suis dit qu'on allait un peu faire un épisode plus soft. Bon, c'est vrai que c'est moins intéressant pour vous, je l'admets. Mais bon, il faut bien un moment. Donc voilà, la salle, on va la faire. Non, on va encore avancer dedans. Non. Tac, tac, tac. Toi, tu viens là. Et donc là, du coup... Ouais, pour que ça soit symétrique, une porte 3x3, faut que je pète ça ici. Et ça marchera nickel. Bah parfait ça. Oula. Craquage total. Voilà. Et donc du coup là ça sera l'entrée de notre salle des machines. Ouais les portes sont un peu plus petites. C'est pas très grave. Tam. 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 Alors par contre il y a juste un truc qui me gêne, c'est ici, je sais pas trop comment faire. De toute façon ici il va y avoir l'arrêt du mur. C'est-à-dire qu'ici on va pouvoir augmenter en... Non pas comme ça justement. Vu que là il y a la stone brick, là il y aura des panneaux solaires donc... Le mur augmentera là, quoique non ça va faire moche avec ça. Donc vu que la stone brick est là, on va pouvoir avancer dedans. Comme ça. Juste casser ça. On va, merde, augmenter dedans comme ça. Et après, on fera un mur un peu bas, comme là-bas en fait. Histoire de prolonger un peu le toit. Parce que c'est vrai que si je fais un trou dans le plafond à cette hauteur-là, ça va faire bizarre. Donc, vaut mieux que je le fasse à une hauteur un peu plus grande. Et puis, puis voilà. Ici, par contre, ça qui va me gêner, c'est l'ancien bâtiment. Qui va pas être super ouf. Alors, notre bâtiment, notre salle des machines. Alors, un couloir. Et donc là, on va faire un truc relativement grand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 10, ça me paraît pas mal. Non, j'en ai fait un de trop, il me semble. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis 1, 2, 3, comme ça fait 10. Il y en a 5 au milieu. Donc ça va faire 25. Ça me paraît déjà pas mal. La salle des machines. Donc là, 1... Merde. Pff, pioche trop rapide. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc du coup... Après par contre là... Faut faire un truc comme ça. Parce que là je peux en mettre 1. Là c'est 7 donc je peux mettre 2 et 2. Niveau quartz, hein, je parle évidemment. 2 et 2, là je peux mettre 1. Et là, à la limite, je peux mettre. On va faire. Tac. 1, 3, 2 d'espace. 1, re 3. Et 1, 2 d'espace. Ok. Bon déjà une salle comme ça pour mes machines c'est déjà limite trop grand. Hein. Donc à mon avis ça va être machine plus coffre. Par exemple on aura une moitié machine, une moitié coffre. Ça pourrait être pas mal. Voilà, 1, 2 et 3. Tac, donc ici on aura 1, ici double 2. Non. Bah ici ça va être des simples aussi. Pardon. Un peu malade. Enfin, j'ai l'impression que je vais être malade, du coup c'est un peu chiant. 3 et 3 on a dit. Ah oui, tiens, et aussi, bah, je vais en profiter dans cet épisode, vu que c'est un peu un épisode blabla. On va faire du repérage quarry hein, juste après. Je finis juste les bases de ça.
Hop. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais partir en vacances une semaine. Alors, je sais pas si je vais vous faire des épisodes d'avance. Je vais voir. En tout cas, oui, je partais en vacances, donc ça va être un peu plus calme sur la chaîne. Il y aura sûrement moins de vidéos. Et du coup, bah, enfin, je m'excuse pas, hein, je vais prendre des vacances. Mais voilà, c'est pour vous prévenir que ça va être un peu plus calme la semaine prochaine, donc sur la chaîne. Après, je reverrai comment les vidéos vont tourner. En tout cas, FTB, ça me paraît bien parti. Hop. Ah oui, tiens, bon, j'ai déjà lancé les trucs, hein, j'en ai déjà parlé, mais si vous voulez que je fasse des machines spéciales, parce que moi je fais ma petite base, je fais mes petits trucs, hein, je regarde un peu sur internet, je bouine, je vois ce que je peux faire, ce qui peut être intéressant, machin, machin. Mais si vous avez des idées de machines, hein, que vous voulez que je fasse, n'hésitez surtout pas à me les dire. Je me ferai un plaisir de les faire. De au moins rechercher comment on les fait et puis de voilà d'essayer de d'y mettre ma patte, enfin bref, ça vous permettra de mettre enfin de participer à l'aventure. Et puis pourquoi pas, je pourrais nommer ma salle des machines à chaque fois du nom du mec ou de la enfin de la personne qui m'a donné l'idée de faire cette machine là. Ça pourrait être sympa, sorte de pas de sorte de comment dire. De merde. Enfin, pas citation, je vois pas trop comment dire ça, mais voilà quoi, de remerciement à la personne qui m'a donné l'idée. J'avais l'idée de faire une ferme automatique à vaches avec Feed the Beast. Alors je sais pas trop comment m'y prendre, je vous avouerai. Donc j'y réfléchis, j'ai regardé 2-3 trucs, ça m'a l'air un peu bizarre, mais c'est faisable. Donc on verra ça. On va maltraiter un peu nos vaches. Ça pourrait être sympa. Enfin sympa. Pas pour elles. Mais ça pourrait être sympa comme projet, tout simplement. Hop, on va juste casser ça. Voilà, bref, ça va être ça. Ça va être l'architecture de notre salle. Donc vu que la taille, hein, évidemment, je pense que ça va être moitié machine, moitié salle des coffres. Donc en tout cas, ça va être une salle très importante. J'essaie de centraliser l'énergie, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, je pense que si. Ça va vraiment être au centre. Et j'hésite même à passer ce truc-là en comment? Pas en là en 3x4, mais justement en 4x4. C'est-à-dire ici, péter ça. Et péter ça aussi. Voilà, et ici donc rajouter, faire 3x3 panneaux solaires, et donc déjà quand j'aurai 9 médiums, je serai bien tranquille. Et après 9 height, là je pense que je serai carrément safe. Oui, donc niveau énergie, je vous ai dit, hein, que je verrai pour faire d'autres trucs, mais pour l'instant c'est vrai que au début le plus simple c'est que ça reste quand même les panneaux solaires. Donc pour mon quarry, où c'est que je pourrais m'installer, c'est ça la question. Ça pourrait être pas mal d'être là-bas. Parce que par là-bas, il me semble pas que j'ai beaucoup miné. J'ai beaucoup miné vers les Great Hills. Attends, les hills, elles sont par où? Oui, non, les hills sont par là-bas. Donc j'ai surtout miné par là-bas. Bon, j'ai dû sûrement miner en dessous au début, hein. Mais surtout par là-bas. Donc par là-bas, normalement, j'ai pas beaucoup miné. J'ai un peu exploré, mais pas miné, il me semble, hein. Donc du coup, ça me paraît pas mal. D'installer des quarries par là-bas. Pourquoi pas sur un monde dense or? J'ai réessayé de faire un Mistcraft dense or. Et alors, soit j'y comprends rien à Mistcraft, enfin le nouveau en tout cas, ou alors la version que j'ai est buggée par rapport au tuto que je vois. Parce que, en fait, comment vous dire? Quand je crée un monde, je vais aller vous montrer en direct live, ce sera plus simple. En gros, quand je suis dans mon binary. Alors, en gros, là je photocopie une page. Par exemple, je prends Beach Biome. Voilà, je la copie. Je recopie plusieurs, machin, machin. Et en fait, dans tous les tutos que j'ai trouvés sur internet, mais vraiment tous, hein, quand ils créent un nouveau bouquin, ils mettent juste leur page ici. Et ça marche. Et moi, non. Le seul moyen que j'ai un bouquin, c'est que je fasse une page blanche. Donc,
je prenne une page blanche là, que je la mette dans mon bain d'encre, là je sais pas comment ça s'appelle, de me faire un link panel et de l'ajouter là. Et là seulement j'ai un descriptive book. Et j'ai l'impression qu'avec ce truc là, bah les descriptive books ils font totalement de la merde. C'est-à-dire que ça respecte pas du tout les trucs que j'ai choisis. Et donc bah enfin, vraiment je suis paumé quoi, ça m'énerve parce que c'est vrai que Miscraft c'est quand même vraiment un mode vraiment super intéressant avant. Et là le fait qu'ils aient tout modifié ça casse le truc. Bon d'un côté c'est vrai que c'est mieux, c'est plus RP, enfin c'est plus difficile d'avoir toutes les pages et tout. C'est vrai qu'au bout d'un moment on faisait juste des bouquins en boucle, on avait 50 000 bios, mais voilà, c'était cadeau. Mais là, leur système de page, c'est un peu à chier. Vraiment. C'est un peu à chier. Et du coup, je suis vraiment déçu de ça. Bah, je suis déçu. Voilà, ça m'énerve. Parce que du coup, je peux pas faire de Densor et être tranquille niveau ressources. Bon, là, ça va, je suis plutôt tranquille pour l'instant. Même si c'est pas folichon. Folichon, pareil, expression complètement. Complètement naze, mais voilà. D'ailleurs, ça, je me disais bien que j'avais vidé ce coffre là, ça va plus le garder. Non, tac tac, le quartz se récupère, non, pas le pain, voilà. Et donc, du coup, voilà, je suis un peu embêté. Enfin, bref, donc sur ce, je vais vous laisser là. On est peut-être plus court avec des annonces, hein, Atlantis, les vacances. Si vous voulez me proposer des idées de machines, n'hésitez surtout pas. Dites-moi ça en commentaire. Ce que vous voulez, hein, je me démerderai à chercher truc à faire. Et puis voilà, un petit peu de déco. Hein, un épisode soft, vraiment soft, hein, histoire de me calmer les nerfs. Et on va enchaîner avec du double quarry le prochain épisode. Juste l'installation rapide. Et puis peut-être la ferme à vaches. Je vais me renseigner, mais ça a l'air vraiment compliqué. Hein. C'est avec des minecarts. J'ai vu plusieurs trucs. Il y en a, c'est avec des minecarts, mais c'est pété de la tête. Mais vraiment, hein, c'est complètement what the fuck. En plus, c'est surtout des vidéos anglaises, donc un truc ultra hardcore en anglais à comprendre. Je vous avouerai qu'il faut s'accrocher. Parce que un truc simple en anglais, c'est simple à comprendre, mais alors du FTB en anglais, c'est vrai que c'est un peu spécial. Enfin bref, voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez surtout pas à commenter pour me donner vos idées. Ah, et du coup, par contre, pour mon tag de torche, c'est un peu modifié. Voilà, ça a marché comme ça. Et donc, n'hésitez surtout pas à me donner des idées, hein, ça me fera toujours plaisir que vous participiez à l'aventure. Et puis, hop. Du coup, vu que c'est 3 de haut, non, il faut pas celui-ci en fait. Hein. C'est bien ce qui me semblait. Qu'il n'y en a plus derrière. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à faire tout ça. Je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous partout. Et salut à tous. Oh, cette pelle, c'est la meilleure invention que. C'est la meilleure invention, quoi. Rapidité d'exécution, c'est juste magistral. Hop, allez, à la prochaine.